tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui ce n'est pas un épisode de Clash Royale parce que oui, Clash Royale est terminé, le let's play Clash Royale est terminé. Aujourd'hui c'est une vidéo assez fun vu que c'est la fin de la saison 13, je me suis dit tiens, si je faisais un pack opening de plein de coffres, hein, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de les compter, dit plein de coffres à couronne, de coffres en argent, de coffres en or et ensuite le Graal, un méga coffre foudre et quelques petites récompenses. Surtout que là vous voyez que je suis en déj d'or. Du coup, ce pack opening, je pense que ça va m'être utile pour former de l'or. Du coup, moi, mon objectif, c'est pas d'avoir une légendaire ou quoi, parce que c'est la fin de let's play, donc bon, il n'y a plus trop d'importance. Même si j'y joue beaucoup, vous voyez que je suis combattant 3, Ligue 3. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être possible d'être maître 1. C'était ça mon objectif, d'être maître 1. Mais en fait, j'oublie un détail, c'est que petit monde. En fait, dès la Ligue 3, il y a quasiment que des gens qui sont au-dessus du niveau 9. Et surtout qui ont des cartes au-dessus de les siennes. Du coup, c'est impossible de gagner, même avec beaucoup de skills. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter dès que je serai Ligue 3 parce que sinon je vais redescendre et tout. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je vais jouer au suicide. Je vais quand même faire un combat normal. Et si je perds, c'est tout à fait normal. C'est parce que les gens sont trop au-dessus de moi. Et je croise, franchement, c'est pas rare du tout de croiser des niveaux 12 et que je me fais défendre. Bref, voilà. C'est pour ça que je suis Ligue 3. Voilà. Du coup, vu que vous avez aimé les spectacles royales, je me suis dit si je faisais quelques vidéos bonus des fois. Alors, ce sera pas que à chaque fin de saison que je vais faire ce genre de vidéos. Des fois, ce sera des vidéos fun, comme ça, par exemple, pour des défis. Mais ce sera surtout sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, cette vidéo, je la trouve pas trop ouf, je la mettrai sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, lien en description. Et surtout que j'ai repris le live, en fait, sur ma chaîne secondaire. Je peux refaire des lives. Vous pouvez y avoir un live bientôt, je pense. Du coup, bref, je pense qu'on peut commencer ce pack opening. Et c'est parti pour le pack opening. On commence avec un coffre en argent. 149 pièces. 2 méga gargouilles, du coup 104 pièces, 16 boules de neige et 3 golems d'élixir. Ensuite les coffres en or, 504 pièces, 7 archers, 3 tours à bombe, 22 électrocutions et 6 boules de feu. Alors je pense pas que je ferai une vidéo à chaque fin de saison pour faire un pack opening. Peut-être que des fois, soit j'aurais pas envie, soit j'ouvrirai les coffres moi-même, je sais pas. Mais dans la fin de cette saison, donc la saison 13, j'avais envie de faire une vidéo comme ça où j'ouvrirai tous mes coffres. Bref, 4 fûts à squelette, 23 gargouilles, 10 électrocuteurs et un garde. En fait, je pense qu'on va aller beaucoup plus vite que dans le let's play. Parce que bah, là, en fait, c'est pas un épisode. Du coup, je peux aller aussi vite que je veux. 11 pièces, 3 gemmes. Non, ouais. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais aller assez vite. Alors, attendez. Je vais ouvrir ce coffre. Oh, attends, j'ai eu peur qu'il y ait une légendaire. Juste 2 secondes. J'ai ouvert plein de coffres ultra rapidement. Donc, alors, oui, j'ai toutes les cartes du jeu. Il me manque juste tous ces légendaires. Alors, là, les légendaires que je veux, c'est le plus, c'est le mineur, la sorcière de la nuit et le méga chevalier. C'est les 3 légendaires que je veux le plus. Voilà. Comme ça, voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, je vais quand même lister les cartes petit à petit. Parce que vous aimez bien, apparemment. Enfin, je sais pas, mais c'est mieux comme ça, je pense. 1659 pièces, 3 gemmes, 2 méga gargouilles, 61 canons. D'ailleurs, je vous remercie pour le let's play Clash Royale. Alors, j'ai vu déjà, merci pour les 1000 abonnés. Bon, de toute façon, ça sert à rien de dire merci pour les 1000 abonnés. Je l'ai déjà dit dans mon live. Bref, mais quand même merci, voilà, si vous avez pas vu la rediff du live. Merci beaucoup, du coup, bah, si vous voulez d'autres trucs, parce que j'ai dit aussi les projets qu'il y aurait sur la chaîne. Du coup, si vous voulez avoir plus de détails et tout, de ce qu'il va avoir et tout, n'hésitez pas à la regarder, la rediff du live des 1000 abonnés, c'est assez marrant à voir. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais c'est l'un des lives où je me suis tapé plus de barres, vous allez comprendre pourquoi. Bref, c'est l'esprit de gazer. Bon, là, je dis pas le nom des cartes, mais bon, je pense que, bon, il n'y a pas trop de trucs intéressants, dès qu'il y aura des trucs intéressants, je dirais. De toute façon, on n'est pas dans un épisode. Mais quoi, ouais. Et j'ai vu que... Vous savez, j'ai eu le message de YouTube. Et quand j'ai cliqué sur le message, ils m'ont dit genre tous les stats et tout. Bon, je peux quand même voir les stats sans avoir un message de YouTube. Mais bon, j'étais curieux de voir et tout. Et du coup, j'ai vu que... Alors, le référencement, genre mes vidéos... Et bien sûr, mes vidéos... comment dire... Où il y a plus de référencement et tout. C'était bien évidemment... La vidéo, comment transférer son compte Brawl Stars sur un autre appareil. Ça, il n'y avait aucun doute parce que, je sais pas, là, je crois qu'elle a 32 000 vues, bref. C'est ma vidéo la plus vue de loin, hein, de très très loin même. La vidéo, 32 000 vues, c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Hein. Pour d'autres, c'est tout petit. Et pour moi, c'est énorme. Donc voilà. Donc la vidéo qui a fait le plus de référencement, c'était la vidéo comment transférer son compte Brawl Stars sur un autre appareil. Et après... La vidéo qui est dans le top 2 des référencements de ma chaîne, et ben en fait c'est un épisode de Clash Royale, je sais plus, c'était même pas l'épisode 1, c'était un épisode
D'ailleurs, l'épisode 1, il est dans le top 4. Il est dans le top 4. Bah, c'est la quatrième vidéo qui me fait plus de référencement, l'épisode 1 Clash Royale. Mais après, c'est un autre épisode random, je ne sais plus c'est lequel, mais il y avait un épisode de Clash Royale qui était la deuxième vidéo qui me faisait plus de référencement sur YouTube. Et du coup, pareil, dans les playlists les plus vues, bien sûr, la playlist la plus vue, et de très loin, c'était Clash Royale. Enfin, je sais pas si c'est très loin, mais dans tous les cas, Clash Royale, le Let's Play Clash Royale, la playlist Clash Royale, c'est celle qui a été le plus vue. Du coup, voilà, je vous en remercie, c'est mon Let's Play où il y a le plus de gens qui ont regardé. Bah, après, c'est un peu normal, plus de 50 vues par épisode. C'était quand même énorme, en plus, j'ai bien aimé faire ce Let's Play. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a peu de Let's Play, en fait. Enfin, si je dis... Alors, je pense pas, mais je me rappelle qu'à un moment, genre, il y a pas longtemps, j'avais cherché le Let's Play que je croyais aller faire. Et il y avait vraiment peu de gens. Oh, on pourra passer le point Simonov. Il y avait vraiment peu de gens en fait qui faisaient un vrai Let's Play Clash Royale où ils passaient de l'arène comme entraînement à l'arène légendaire avec un minimum de qualité entre guillemets, parce que pour mon montage, bon, il y en a qui disent que c'est bien, mais comparé à d'autres gens, c'est de la grosse mouise. Hein. On va pas se le cacher. Mais du coup, ouais, et en plus, même je crois tout court en fait. Tout court, je crois qu'il y a quasiment aucune personne qui a fait ça. Du coup, peut-être que ça explique pourquoi il y a autant de gens qui regardent mon Let's Play. Mais dans tous les cas, même s'il y a tout ça, même s'il y a peut-être un mec qui a fait pareil que moi, mais je m'en fous. Dans tous les cas, vous êtes beaucoup à avoir aimé, vous êtes beaucoup à avoir liké, vous êtes beaucoup à avoir suivi ce Let's Play, à commenter. Franchement, merci beaucoup. Ce Let's Play était vraiment cool. Pour Undertale, alors Undertale, c'était moins flagrant. Undertale, c'est le troisième Let's Play le plus suivi. Parce que le deuxième... c'est le Let's Play, la playlist Clash of Clans. Ça m'étonne parce qu'il y a peu de vues sur mes épisodes de Clash of Clans. J'ai cru qu'il y avait une légendaire. Mais non, en fait, le top 2 de ma playlist la plus vue, c'est le Let's Play Clash of Clans. Pourquoi, je sais pas. Surtout que je crois que ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas fait d'épisode de Clash of Clans. En vrai, Clash of Clans, j'y joue plus. J'ai joué parce que j'ai perdu un peu l'envie de jouer. Du coup, bref, on est en train d'avoir pas mal de gemmes et pas mal de pièces. C'est pas mal. Ah ouais, du coup, avant de continuer ce que j'étais en train de dire, si cette vidéo sort après la saison 13, c'est normal, c'est que je prends du temps à faire un montage, et que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, adieu petit planning, c'est les grandes vacances, et je prends mon temps. Du coup, si cette vidéo sort, genre, je sais pas, 10 000 ans après la saison 13, genre, je sais pas, 3-4 jours, même peut-être une semaine, bon, j'abuse peut-être, mais bref, vraiment, un peu longtemps après la saison 13, c'est normal, hein, c'est que je prends mon temps, je me presse pas, il n'y a plus de planning, voilà. En plus, c'est les grandes vacances, du coup, j'ai le droit un peu de profiter, je suis pas un robot. Ok, 2 gemmes. Putain, c'est bien, je suis en train de me refaire niveau or, parce que j'étais à la dèche, j'avais tout dépensé pour améliorer des cartes nulles. Du coup, maintenant, j'améliore plus des cartes nulles, hein. Franchement, j'économise mon or. J'ai eu peur, j'ai cru que ça clignotait. C'est beau comment la cadence de coffre que j'ouvre... Elle a été tellement accélérée. Bon, après, c'est normal, je lis pas les cartes et tout. Bon, désolé si ça vous gêne que j'ouvre un peu les cartes rapidement. Ok. Oh, l'orage, on pourra l'améliorer. Bon, ça sert à rien. Bon. Oh, non, je crois que ça. Regarde, ça annule le pont. Bref. Du coup, ouais. Et du coup, le troisième Let's Play, c'était le Let's Play Undertale. Undertale. Je suis à la fois déçu et content de ce Let's Play. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose en moi qui me dit que je suis un peu déçu. Je sais pas. C'est peut-être, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais dans le live fin d'Undertale, il y avait quelquefois des gros flous. Alors que j'avais fait le focus, voilà, des gros flous, donc désolé si vous l'avez remarqué. Bon, si vous l'avez pas remarqué, bon, c'est pas grave. Mais ce Let's Play, pour moi, il est moyen, mais je pense, hein, c'est un projet, un petit projet, je sais même pas s'il va se réaliser. Mais, je pense que quand j'aurai un PC, dans très 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 longtemps, quand j'aurai un PC et quand j'aurai... Alors, si je les ai, je dis pas que je les aurai, mais si j'ai les 10 000 abonnés par miracle, hein... Putain, pourquoi je dis ça? Je suis sûr, enfin, bref. Bref, au cas où, si j'ai les 10 000 abonnés et que j'ai un PC, eh ben, en fait, je ferai un remaster... Ça devait arriver. Ça devait arriver. Oh mon dieu. 12 guerriers armés. Si c'est le méga chevalier. Je fais un live dans pas longtemps sur ma chaîne secondaire. Où genre j'ouvrirai tout le pass brawl. En live. Voilà, c'est dit.
s'est placé. Le deal est fait, je voulais pas, je voulais le garder pour un épisode de Brawl Stars, parce que l'épisode de Brawl Stars arrive bientôt, hein, parce que j'ai bientôt les 10 000 trophées. Et je pense que je vais le regretter si j'ai mis les chevaliers. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, vous êtes prêts? C'est parti! Le Cava Bélier, c'est les bonnes nouvelles légendaires, c'est même pas une des trois légendaires que j'ai désignées. Mais le Cava Bélier, franchement, là, je suis content. Bon, ça se voit pas ma voix, parce que c'est pas une nouvelle légendaire, hein. Mais je suis extrêmement content, vous allez savoir pourquoi. Ah merde, j'ai oublié de faire un screen, bon, c'est pas grave. Ok. Bon, alors, je vais vous dire pourquoi je suis content d'avoir eu le Cava Bélier. Okay. Pourquoi Cava Bélier, je suis content? On va voir. Eh bien, parce que vous voyez que mon deck que je suis en train. Bah, en fait, le deck que j'utilise, c'est un deck PK Cava Bélier voleuse. Et du coup, ça va vouloir dire que. En fait. Bon, déjà, ce deck, vous voyez qu'il est très bon level. Toutes les cartes sont à mon niveau. Je suis niveau 9. Il y a 3 cartes niveau 8. 4 cartes. Non, 3 cartes niveau 9 et 2 cartes niveau 10. Et du coup, vous voyez comme dans le nom PK Cava Bélier voleuse, les deux cartes légendaires principales, donc le Cava Bélier et la voleuse sont niveau 10. Et le Cava Bélier, en fait, le Cava Bélier et PK, c'est les deux cartes qui sont vraiment centrales. Le PK, je suis en train de le farmer pour être niveau 10. Mais du coup, ça fait encore une carte centrale qui a amélioré. Du coup, Cava Bélier, c'est la carte. En fait, PK et Cava Bélier, en fait, c'est les deux cartes qui permettent de gratter un mort. Du coup, Cava Bélier niveau 10, ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment, je suis content de cette légendaire. Du coup, bref. Du coup, on va continuer le pack opening. Je sais plus ce que je disais. Je sais même plus ce que je disais. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ok. Dernier coffre à couronne. Quoi ? Quoi ? Attends. Quoi ? Attends. Je m'y attendais pas. Quoi? Attends. Alors, il fait canicule. J'ai fermé mes fenêtres pour pas que vous entendiez les motos et tout. Mais là, je suis en train de... Ouais, attends. Quoi? Deux légendaires d'affilée sur des coffres à couronne. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est la voleuse. C'est bon. C'est pas très cool parce qu'il me faut 4 voleuses pour l'avoir niveau 11. Mais ça n'a aucun sens. C'est... J'ai même plus de cookies. Quoi? Bon. C'est incompréhensible. C'est quoi ça? C'est encore pire que... En fait là, c'est encore pire que le meilleur épisode de mon Let's Play Clash Royale. Du coup, on va ouvrir le coffre légendaire. C'est parti directement. Non, je sais pas. Ouais, donc je répète les trois légendaires que je veux le plus. C'est le petit mineur, la sorcière de la nuit et le méga chevalier. C'est les trois légendaires que je veux le plus. Allez, c'est parti. C'est parti. Espérons avoir une légendaire potable. Ou sinon, une des trois légendaires que je veux le plus. Allez, 3, 2, 1. Et on va le faire avec le nez. Bon, ça marche pas trop. On va laisser tomber le nez en fait. On va le faire juste avec le nez. En fait, ça marche que sur mon sens, ouais. Attention, quel légendaire on va avoir? Le sorcier de glace. Oh oui, mais on peut passer niveau 10. Oh, ça c'est bien. C'est bien. J'avoue que c'est bien. Ah, là par contre c'est très dommage parce qu'on a eu aucune nouvelle légendaire. Et le sorcier de glace, qui est vraiment dommage, c'est que je l'utilise pas. Je l'utilise dans aucun deck. On va quand même l'améliorer niveau 10. Parce qu'une légendaire niveau 10, ça se refuse pas vraiment. Mais du coup, vous voyez que j'utilise dans aucun deck. Vraiment dans aucun deck. Attends, on va améliorer la petite. Tesla des familles au niveau 8. Le deck archi, je l'utilise jamais. Vraiment, je l'utilise jamais. D'ailleurs, si vous voulez, hein, voilà, je vous montre les decks. Au cas où. On n'est pas dans un épisode de Clash Royale, donc on peut prendre notre temps. Ok, c'est n'importe quoi. On est Cava Bélier, voleuse et sorcier de glace. Malheureusement, c'est vraiment les légendaires que j'ai eues. Enfin, que j'ai déjà. Et sur les trois légendaires, il y a une légendaire que je peux même pas améliorer. Bon, ça n'est pas grave. Deux légendaires d'affilée. Enfin, trois du coup.
Et on va peut-être en avoir une dans le méga coffre foudre. Mais du coup, c'était ce back opening, franchement, il dépasse le back opening du meilleur épisode de Clash Royale. Hein. Deux légendaires d'affilée dans des coffres à couronne, c'est exceptionnel, c'est énorme. Du coup, on va passer au méga coffre foudre. Donc, sur ça, j'en ai jamais ouvert. Et je pense que, genre, ça marche un peu comme les coffres en bois foudre, vous savez, genre. Je pense qu'en fait, c'est comme les méga coffres magiques avant. Sauf qu'en fait, c'est une fusion entre un coffre en bois électrique et un coffre magique. Voilà, je pense que c'est ça. Du coup, on est parti, c'est parti. 3, 2, 1, vous êtes prêts? C'est parti! Il est gros le coffre, hein. 7614 pièces! 600! C'est bien pour les decks, les decks lockbait. Est-ce que on est obligé d'avoir une légendaire dans ce coffre? J'espère, hein. Bref, 13 esprits de guérison. 15 triple mousquetaires, ça c'est bien parce que je les joue. Je les avais mal jugés. 52 golems sire. 90 mousquetaires. Ouais, non, t'es obligé d'avoir une légendaire. 29 tornades, ça fait plaisir. Et la légendaire, c'est parti, j'espère une nouvelle légendaire. Une des 3 légendaires que j'ai désignées. 3, 2, 1, c'est parti. L'électro-sorcier. Là, on peut pas être déçu. Parce que les... Non mais en fait, mon deck, il sera cheaté. J'aurais codé légendaire niveau 10. Du coup, légendaire, même si c'est pas une nouvelle légendaire, je sens que si j'essaie de changer la légendaire, je vais être déçu. Donc je vais la laisser comme ça. De toute façon, je peux l'améliorer. Et l'électro-sorcier, il est dans mon deck principal. Donc bon, on va le laisser. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Il y a quoi comme rare qui est bien? Alors, l'artornade, là, attends. Ah, une foudre, non, je sais pas. Qu'est-ce qui serait bien? On va essayer de changer l'esprit de guérison. Géant, c'est nul. Tour de l'enfer, non. Ah, roquette. Ah, merde. Valkyrie, c'est bien. Et en commun, on garde la Valkyrie ou pas? Allez, on tente. On garde direct le sorcier. On garde le sorcier, c'est parfait. Le sorcier est parfait. Le petit screen, ça fait plaisir. Et voilà, du coup, on va récupérer toutes les récompenses. L'esprit de guérison qui est de retour. Ok, barbare d'élite, c'est mauvais. Les pièces, ça fait plaisir. Et les rares, camion de barbare, c'est toujours bon à prendre. Et le prochain, c'est un coffre légendaire. Très bien, très bien. Très, très bien, tout ça. Et voilà, l'électro-sorcier amélioré au niveau 10. C'est n'importe... Je vous le dis, c'est n'importe quoi. Regardez ce deck, je suis niveau 9. J'ai un deck avec une boule de neige. Bon, ça c'est pas. Voilà. Avec une boule de neige niveau 8, un Fua Barbare niveau 8, une Foudre niveau 8, un P.K. niveau 9, et ensuite un Cavabélier niveau 10, un Électro-Sorcier niveau 10, Archer Magique niveau 9. Bon. Si j'ai encore un Archer Magique, je peux l'améliorer niveau 10, ça serait n'importe quoi. Et après une voleuse niveau 10. Franchement, il ne manque plus que l'Archer Magique, et toutes mes légendaires sont niveau 10 dans mon deck. Enfin, pas toutes, mais vous avez compris, toutes les légendaires. De mon deck que j'utilise le plus souvent, donc de mon deck principal, ils sont niveau 10. C'est... Non mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des boules de neige en vente? Ah, malheureusement, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Non, bon, en fait, il n'y a rien de potable à acheter. Bon, il n'y a pas des cartes que je peux améliorer pour passer genre niveau 10. J'essaie d'améliorer les cartes tout simplement, je level up niveau 10. A tout de suite. Et je passe niveau 10, mesdames et messieurs, devant vous, José Bailly. Je passe niveau 10, mais malheureusement la contrepartie c'est que je n'ai plus de pièces. J'ai que 1698 pièces. Toutes les pièces que j'ai amassées se sont volatilisées. Alors c'est pas grave, moi je suis passé niveau 10. Du coup peut-être que je vais pouvoir faire une petite victoire en Ligue 3. Du coup c'est ce qu'on va voir. Attends, il y a des demandes ou pas? Oui, il y a des demandes, attends, je vais donner. Ça me fait quelques pièces au moins. Et de l'XP aussi. Bon, l'XP, bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, du coup voici le deck, voilà mon deck, donc vous pouvez le copier. Si vous voulez, il est vraiment extra. Ce deck, il est extraordinaire, il est génial. Du coup, on va voir. J'ai 3 légendaires qui sont passés niveau 8. J'ai la foudre qui sont passés niveau 10, pardon. J'ai ma foudre qui est passée niveau 8. Mon PK qui est passé niveau 9. Et du coup, je suis niveau 10. Donc, je peux peut-être gagner une game en Ligue 3. Du coup, c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Alors. Ok. Île des naufragés. On est contre Knal. Bonne chance. Il commence par des sapeurs. Alors, je vais utiliser un petit feu à barbare. Qui est très efficace contre eux, voilà. Alors, je vais peut-être partir. Laissez tomber. Alors, le petit méga chevalier.
Et je... Non, 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 tu vas pas... Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça avec moi. Tu... Voilà. Et l'électro-sorcier niveau 10. Et là... Non, mais si on gagne cette game, c'est magique. En fait, je sais pas. Ok, le mec, il a mal placé son pêcheur ou c'est moi qui rêve? Oh non, il a mal placé son pêcheur. Pour l'instant, tout va bien. Donc, vous voyez que l'électro-sorcier est niveau 10. Donc, il fait beaucoup plus de dégâts. Bon, après, c'est la phrase la plus logique que j'ai jamais dit de ma vie. Bon, pour l'instant, on est en train de l'exploser. Je sais pas si ça va durer comme ça toute la game. Attendez, je vais pas dépenser toutes mes... Vas-y, attends, archimagique. Attends, dis-moi pas comment on a déjà gagné. Bon, là en fait, je suis en train de me transformer en flaque d'eau en fait. Parce qu'en fait, bon, je l'ai répété, mais il fait 40 degrés dehors. Sérieusement, sans déconner, il fait 40 degrés dehors. Et j'ai mes fenêtres fermées, ma porte fermée. Et j'ai aucun climatiseur parce que sinon ça fait du bruit pour la vidéo. Ouais. Heureusement que j'avais le PK en main de départ parce que sinon il m'aurait explosé. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe dans cette vidéo, ça n'a aucun sens. Franchement, je pense pas que je vais refaire une deuxième game. J'ai envie de terminer cette vidéo en beauté. J'ai pas envie de terminer cette vidéo sur une défaite ou sinon sur un dérush complet. Mais c'était waouh. L'enregistrement vient de se couper, du coup, bah, il n'y aura pas de match amical pour terminer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était fort en sensation. C'était vraiment n'importe quoi. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et je vous donne à bientôt. Ciao, ciao.